Nouvelle réaction de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a donné un point de presse ce jeudi 17 septembre dans un hôtel parisien. Le leader de Génération et Peuple solidaire a martelé qu'il n'irait pas aux élections tant que le président Alassane Ouattara est candidat. Je n'irai pas aux élections tant que M. Ouattara est candidat. Aller à l'élection avec M. Ouattara, c'est cautionner la forfaiture, c'est valider le coup d'État. Vous voyez ? Et c'est pourquoi d'ailleurs, aucun candidat, même retenu, ne doit accompagner Ouattara. Ouattara, son mandat est terminé. L'ex-président de l'Assemblée nationale a également parlé d'une concertation avec les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Colombidier pour empêcher les élections. Il compte user de tous les moyens pour y arriver. Je l'ai dit, M. Bédier, M. Gbagbo, Afin Guessant, tout ce Mabri, Amontano, j'ai oublié peut-être Niamien et les autres. Je souhaite qu'on ait une concertation. À l'issue de cette concertation, nous allons entreprendre les organisations sous-régionales et l'organisation sous-régionale africaine, continentale. Et vous savez très bien que Buhari a un leadership affirmé en Afrique de l'Ouest. Donc, et vous avez entendu son discours. Donc, nous pensons que c'est bon qu'on puisse le voir. La candidature de Guillaume Soro a été recalée par le Conseil constitutionnel le 14 septembre dernier. Les raisons sont entre autres liées au fait qu'il a été retiré de la liste électorale par la Commission électorale indépendante.